Après avoir quitté le désert du Grand Vide, c'est une autre mer de sable aride, jamais foulée auparavant, qui s'ouvre aux cinq femmes rescapées du convoi. Elle laisse derrière elle un enfer ardent pour la fièvre d'un autre tout aussi hostile. Les deux sœurs, qui portaient toujours la marmite de nourriture, n'avaient pas cessé de se blâmer et de s'accuser de leur tort depuis qu'elles avaient pris la route aux côtés de Méliane. Elles se tenaient l'une pour l'autre responsables de leur sort. Elles en avaient surtout marre de tenir cette casserole sous un soleil écrasant et s'ennuyaient terriblement. De leur côté, Méliane et Béolita n'avaient pas prêté attention à leur jérémiade et continuaient sobrement leur route. Fatiguées et lassées, les deux sœurs en vinrent finalement à poser la marmite au sol et décidèrent de stopper leur marche. Bordel, Lubie! T'as de la force que dans tes nichons et dans ton cul ou quoi? Y'a que moi qui porte cette foutue casserole depuis le début, j'en peux plus! Et toi, tu sais pas te servir d'autre chose que de ta langue? Au lieu de parler à longueur de temps, tu te fatigues inutilement et t'es même pas capable de tenir la cadence. Moi, j'en peux plus de toi. Mais oui, bien sûr, c'est de ma faute. Moi, je trouve juste pas normal qu'il y ait que nous qui devons faire le sale boulot. Hé, toi! Ouais, toi! Tu dis rien depuis le début, juste pour rester discrète et pas nous donner un coup de main. T'es pas vraiment muette, en fait, je me trompe? Allez, quoi? On était dans la même caravane tout à l'heure, tu peux nous aider, non? Ouais, d'ailleurs, pourquoi t'étais retenue dans la caravane, toi? T'as été prise pour quoi, exactement? Parce que tu parles pas? Non, j'y crois pas. Allez, tu peux nous le dire. T'as pas sucé les bonnes queues, hein, c'est ça? Les gardes y comprennent que ça. C'est pour ça que tu t'es fait te prendre tout à l'heure. Haha, ouais. Et tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas laisser cette peste qui me sert de petite sœur te traîner comme ça, non? Vas-y, fais la terre, remets-la à sa place. C'est vrai, quoi. Dans la vie, faut savoir se défendre. Mais tu vois, on s'est fait te prendre parce que ces chiens de garde ont abusé de leur autorité sur nous. Mais autrement, on n'a pas peur de les défier, de les dépouiller, voire même de leur planter un couteau dans le dos s'il le faut. Ouais, on est comme ça, fougueuse et impitoyable, on se laisse pas marcher dessus. Ouais. C'est parce que les gars ne supportent pas quand les défis qui nous ont fait exiler de la cité. Mais on sait quoi répondre quand il le faut. Allez, vas-y, Lul, secoue-la un peu, qu'on voit ce qu'elle a dans le ventre. Elle veut pas répondre. Bah voyons ce qu'elle sait faire. La plus jeune des deux sœurs, motivée par son aînée, s'apprêtait à bousculer l'autre femme muette qui était la cible de leur moquerie, dans l'unique but de la provoquer et de la faire réagir. Elle se dirigea déterminée et même sournoiseusement amusée vers l'autre femme qui était restée calme et imperturbable. Mais c'est alors que Méliane, agacée depuis longtemps par le comportement puéril et par le fourbe sadisme des deux sœurs, s'interposa brusquement. Sans que la jeune femme ne comprenne ce qui lui arrive, Méliane lui décrocha un violent coup de poing qui lui éclata la lèvre. La plus jeune des deux sœurs se retrouva en un instant au sol, la lèvre ensanglantée et abasourdite, choquée. Elle avait été d'un coup stoppée dans son élan par Méliane qui, d'un coup de poing bien placé, lui avait ôté le malin petit sourire insolemment dessiné sur son visage. La sœur aînée tenta de s'en prendre à Méliane, mais celle-ci tira son épée hors de son fourreau et la pointa en sa direction. « La prochaine fois, je te jure que je te tranche la gorge, piètre salope. »« Maintenant, vous reprenez cette fichue marmite, vous fermez votre gueule et vous continuez à marcher. » Sans un mot et sans broncher, les deux sœurs exécutèrent à la lettre les injonctions de Méliane. Elles étaient choquées et stupéfaites. Elles saisirent rapidement la marmite et reprirent la route, les yeux baissés, le regard rivé au sol. Un silence de mort régnait entre les cinq femmes qui poursuivaient leur marche à travers le désert et vers l'ouest. Toujours menées par Méliane, accompagnées de Béolita, suivies par la muette et les deux sœurs portant honteusement la marmite. Lubis et Lulucis. C'est ainsi que se nommaient les deux sœurs. L'aînée, Lubis, avait les cheveux roux et le nez cassé, tandis que Lulucis, la cadette, avait de longs cheveux lisses et noirs. Elles étaient grandes et d'une silhouette très fine. Bien qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de passer leur temps à se disputer et à s'insulter, Lubis et Lulucis ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre. C'est ainsi que leur comportement se complétait depuis leur plus jeune âge. Pour le meilleur comme pour le pire. Surtout pour le pire. Car les deux sœurs étaient mesquines, fourbes, menteuses. Elles n'avaient aucun sens de la morale. Elles faisaient les choses dans leur unique intérêt, dans une cupide méchanceté sans relâche et sans limite. Elles n'avaient pas cessé de tromper, arnaquer, voler, dépouiller, diffamer, calomnier, injurier, jusqu'à aller au meurtre s'il le fallait pour satisfaire leurs intérêts. Elles avaient beau protester contre les gardes qui avaient abusé de leur autorité sur elles, il n'en était rien. En réalité, si Lubis et Lulucis s'étaient retrouvés dans le convoi qui les menait loin de la cité d'Acaracta, c'était pour un meurtre. Sauvagement orchestrés et organisés contre des citoyens qu'elles avaient prévu de cambrioler. Ce crime pour lequel elles furent jugées et condamnées est le dernier d'une longue liste qu'elles ont à leur actif.
une liste comprenant entre autres des meurtres prémédités, à la fois contre des membres de la garde d'Akaracta, mais aussi envers de simples et innocents citoyens. Un jour devait arriver où leurs méfaits allaient être punis, mais aucune peine ou punition ne pouvait apporter une once de morale et d'honneur aux deux sœurs. Aux yeux de la cité et de la caresse, l'exil était la meilleure solution pour se débarrasser de ce duo infernal qu'incarnaient Lubis et Lulucis. Quant à la femme muette, elle se nommait Néférité. En réalité, elle n'était pas vraiment muette. Plutôt qu'elle n'avait jamais su s'exprimer par la parole. Néférité ne connaissait que la violence et l'entrave. Elle avait une belle peau brune, mais de nombreuses cicatrices lui abîmaient son maigre corps. Son père la battait déjà alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle fut longtemps défendue par sa mère qui, un jour, poussée à bout, assassina son mari. Suite à cela, la mère de Néférité fut exécutée et cette dernière se retrouva orpheline. Malgré ce drame, Néférité connaissait quelqu'un, un ami de ses parents. Un ami qui put l'aider dans ce triste moment. Mais au bout de quelques années, cet ami qui avait recueilli Néférité abusa d'elle sexuellement et la prostitua. Elle n'avait pas encore 15 ans. Néférité ne connaissait de la vie que le sexe et sa violence. C'est tout ce qui lui avait été enseigné par la force et ce n'est qu'à travers cela qu'elle ne savait s'exprimer. Néférité était une prostituée, parmi tant d'autres au sein de la cité. Mais bien que muette et discrète, elle n'en était pas pour autant docile. Elle se prostituait pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais savait établir les limites de son travail. Ceux qui osaient abuser d'elle hors du cadre de son travail en payaient le prix de leur vie. Plus d'une fois, Néférité s'est fait abuser, violée par des hommes, pensant qu'ils avaient tous les droits et tous les vices sur son corps. En réponse à cela, Néférité n'hésitait pas un seul instant à prendre la vie de ceux qui se permettaient de lui prendre sa dignité. Mais un jour, alors qu'un garde tenta de s'en prendre sexuellement à elle, Néférité lui brisa la nuque. Plusieurs personnes furent témoins de la scène, des prostituées comme des gardes. Elle fut malgré tout jugée et condamnée. La mort ne fut cependant pas sa sentence, car Néférité dut avoir recours à sa propre défense. Mais elle se vit exilée de la cité pour avoir tué un garde. C'était là l'impitoyable justice et réalité d'Akaracta et de la caresse. L'intense lumière du soleil du désert, tout comme sa chaleur, s'évanouissait à l'horizon. La fraîcheur commençait insidieusement à s'installer. Une nuit glaciale s'annonçait. Méliane se chargea alors de trouver un lieu à l'abri pour s'y reposer. Après quelques heures de recherche, les cinq femmes tombèrent finalement sur une grotte s'enfonçant sous une colline rocailleuse du désert. Nous passerons la nuit ici. Aux premières lueurs du soleil, demain, nous reprendrons la route vers l'ouest. Nous partagerons ce qui reste de nourriture autour d'un feu. La fraîcheur qui baignait dans la caverne fut très bien accueillie par les cinq arrivantes. Elles, qui avaient pendant des jours traversé le désert sous un soleil étouffant et écrasant, foulaient un sabre brûlant et sec, alors écorché la peau, ce bol d'air frais fut un vrai soulagement. Elles avaient enfin un endroit à l'ombre, au frais, dans lequel se reposer. Elles durent cependant s'enfoncer au plus profond de la grotte et vite y établir un feu. Car même si la fraîcheur était ici la bienvenue, elle serait, une fois la nuit tombée, leur principale préoccupation. Car le désert était doublement traître. C'était un climat acerbe et trompeur. Le jour, le soleil embrasait le sable tel une fournaise, tandis que la nuit, l'absence de lumière rendait l'air glacial. Le froid était pénétrant et pouvait, si l'on ne s'en prémunisait pas, conduire à la mort. Ainsi, Méliane alluma un feu grâce à des combustibles qu'elle avait plutôt récupérés parmi les décombres des caravanes. Et par un ingénieux système de friction de pierres et de morceaux de bois, elle parvint à faire jaillir une étincelle et grandir un feu. Méliane savait se débrouiller en conditions hostiles et de survie. Passer la nuit dans le désert ne l'inquiétait aucunement. Elle avait déjà fait face à des situations bien plus rigoureuses. Il restait encore de l'eau et de la nourriture dans la casserole que les cinq femmes s'étaient partagées. Néférité était restée fidèle à elle-même. Elle demeura dans son coin, allongée, attendant que le sommeil l'emporte. Lubis et Lulucis n'avaient pas trouvé un confort suffisant pour s'endormir. Elles ne cessaient de se plaindre et de se disputer, comme à leur habitude. Méliane et Beolita ne firent pas attention aux querelles des deux sœurs. Pensives, elles étaient sobrement et simplement assises près du feu, en fixant les flammes et s'imprégnant de leur agréable chaleur. D'où te vient cet étrange savoir-faire ? Est-ce un don ? Un art ?
Comment es-tu arrivée à dompter cette vile et sauvage créature du désert tout à l'heure? Un art, oui. Tu fais partie de ces gens que l'on recense à Acaracta pour sorcellerie? Je me trompe? Non, en effet. C'est le mot employé par la cité. Je préfère me définir comme une artiste. Je maîtrise un art. Un art qui n'en est pas vraiment un. De l'art qui n'a rien d'esthétique, pas plus qu'il n'a d'émotion. Les quatre sorcelleries que je connais font plus référence à des rituels et des manifestations sordides, apportant la mutilation des corps et le sacrifice de l'âme à dites deux croyances. En quoi tout cela serait de l'art? Parce que rien de cela n'a à voir avec ce que je pratique. Et pour quelle raison t'as-t-on exilé de la cité? Enfin, je sais que toutes celles et ceux accusés de sorcellerie sont emmenés loin d'Acaracta. Mais toi, qu'as-tu fait exactement? J'ai cherché à dialoguer. À dialoguer? Mais avec qui? Esto. Esto? Oui, c'était le nom du chat avec qui je dialoguais. Ce fut d'ailleurs la seule chose que j'appris de lui. Tu as donc parlé avec un chat qui t'a donné son nom? C'est cela. Il me confia qu'il se nommait Esto, et je ne pus en apprendre plus de lui, car on criait alors à l'occulte. On m'emmena devant un juge. Les gens présents affirmaient que je parlais dans une langue étrange et inconnue. On aurait pensé de moi que je venais d'ailleurs, loin de la caresse. Mais en réalité, je parlais à Esto. Bon, eh bien, Beolita, je te suis reconnaissante, tu sais, de m'avoir sauvé la vie grâce à ton art. Et je préfère avoir affaire à quelqu'un qui parle au chat, dans une langue occulte, même si tu ne le vois pas comme tel, que d'avoir affaire à un étranger. Je préfère encore te savoir acaricienne et occulte qu'étrangère et parlant une langue courante. Je regrette même que l'on t'ait exilée pour cette raison. Car vois-tu, moi, si j'ai été exilée de la cité, c'est à cause des étrangers. Vraiment? Moi, j'ai été rejetée parce qu'étrangère est la langue courante. Pourquoi une ressortissante acaricienne comme toi, membre de la garde d'élite du roi, la renommée Méliane, s'est vue bannie de la cité? Je ne me souviens pas t'avoir confié mon nom. Et encore moins quelle fonction j'avais en poste à la cité. C'est le garde-conducteur de la caravane qui l'a avoué, sans parler de la réputation qui précède ton nom. Oh, oui, en effet. Je vois que tu as d'attention sur tout ce qui est dit, Beolita. Sur tout ce qui est dit et sur ce qui ne l'est pas. Beolita désigna Néférité du regard. La femme qui ne parle pas. Elle n'est pas vraiment muette. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a été dépossédée d'une grande richesse qui brillait en elle. Mais elle n'en est pas moins resplendissante, ne trouves-tu pas? Oui, sûrement. Elle n'a cependant pas les traits d'une authentique acaricienne. Elle est métissée, et je ne parle pas de sa peau qui est aussi brune que la tienne, mais de son origine. Elle n'a pas la grande taille des acariciens, elle n'a pas de taille non plus. Dans son regard, pas de fierté, pas de dignité. Parce qu'elle en a été privée. Elle est bien de la cité, et elle ne manquait pas de fierté jusqu'à ce qu'on la lui vole. Oui, peut-être. Il est préférable de ne pas montrer de fierté dans son regard que d'en transpirer par tous les pores. Beolita désignait maintenant du regard les deux sœurs, toujours en train de se quereller. Assurément. Qu'as-tu exactement à reprocher aux étrangers, à ceux qui viennent de l'extérieur du pays? C'est à cause d'eux que je me suis retrouvée dans le convent. Pendant longtemps, j'ai servi auprès de la garde du roi. Mais au-delà de servir mon roi, j'ai servi ma cité, mon pays. J'ai servi la caresse corps et âme, sang et sueur. Rien ne m'est plus cher que la caresse. Et je pensais que cela en était de même pour mon roi. Draenor II, en plus d'être mon roi, était à mes yeux comme un père, un confident. Je ne l'ai pas reconnu lorsqu'il a choisi de trahir son pays et de parlementer avec les émissaires venant des royaumes de Malcomteor et des terres comeranes. Quelqu'un a dû le corrompre, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas lui. Je n'avais aucune intention de mettre un terme à sa vie, ou son règne, en menant un assaut contre lui. Mais uniquement de le faire raisonner. Les armes étaient ma seule et dernière solution pour ne pas laisser la cité aux mains d'étrangers manipulateurs. Au lieu d'être condamné à la mort, on m'a exilé de la cité. On m'a permis d'aller faire ma vie ailleurs. Mais ma place est à Acaracta, près de mon roi et de son peuple. Un jour, je reviendrai à la charge à la cité, reprendre ce qui nous a été volé par ces hommes venus de l'Ouest, venus souiller notre histoire et notre gloire. Un jour, la caresse retrouvera son éclat d'antan. Un jour,
les choses retrouveront leur ordre naturel, et je serai celle qui incarnera cet ordre, sans aucune tolérance. Ton cœur est rempli d'ambition, Méliane, mais il ne semble ne plus y avoir de place pour d'autres nobles intérêts. Mes intérêts sont ceux de mon pays. Il n'y a rien d'autre à savoir. Il se fait tard. Il nous faut du repos pour poursuivre la longue route qui nous attend demain. Nous continuons vers l'ouest ? Bien sûr. C'est la seule direction qui nous mènera vers une nouvelle cité. Je dois te dire, je suis sensible à plein de choses chaque jour. Plein de choses, bonnes comme mauvaises, mais que je connais. Depuis quelques heures, et dès lors que l'on progressait en direction de l'ouest, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'est inconnu. Et est-ce mauvais ? Je ne saurais le dire. Ce sentiment m'est inconnu. Pourtant, c'est comme s'il m'appelait. Peu importe. Nous ne pouvons prendre d'autres directions, ou bien nos provisions iraient à manquer. La cité la plus proche se trouve vers l'ouest. Nous maintenons ce cap. Désormais, il nous faut dormir. Peu de temps après, le sommeil gagna les cinq femmes. Elles passèrent une nuit fraîche au fond de cette caverne, perdue dans le désert. Mais leur repos fut suffisant pour reprendre leur chemin dès que le soleil fut levé le lendemain. À ses premiers rayons déjà, son incandescente lumière réchauffait le sable du désert. Une nouvelle et longue journée de marche se présentait à Méliane, Béolita, Néférité, Lubis et Lulucis. Il leur était impossible de savoir quel était le moment exact de la journée, impossible non plus de savoir où elles se trouvaient, bien qu'elles continuaient à suivre la direction de l'ouest. Elles marchèrent et marchèrent encore sur de longues et interminables distances, passant d'une zone rocailleuse et escarpée à une étendue de sable à perte de vue. Même Lubis et Lulucis n'avaient pas la force de se disputer et économisaient leur énergie à marcher. Elles regrettaient cependant d'avoir entrepris ce périple à travers le désert et de ne pas avoir rebroussé chemin vers la cité lorsqu'elles en avaient encore l'occasion. Puis, sans qu'aucune des cinq femmes ne s'en aperçoive aussitôt, le ciel devint plus chargé. D'épais nuages filtraient désormais la lumière du soleil, trônant toujours au-dessus de leur tête. La chaleur était toujours aussi suffocante, mais quelque chose dans l'air était plus lourd, plus stagnant et pesant. Il y avait une drôle et vieille odeur également, qui s'intensifiait au fur et à mesure que les cinq femmes maintenaient leur route. Une odeur âcre et irritante, qui leur laissait la gorge sèche et douloureuse. Mais il y eut quelque chose d'autre, que seule Béolita ressentait. Déjà la veille, et comme elle le confia à Méliane, elle avait été sensible à un sentiment inconnu, nouveau, étranger. C'est comme si une voix l'appelait au fond d'elle, comme un cri très étouffé dont elle ne pouvait définir la nature qui ne cessait de l'attirer à chacun de ses pas. L'appel s'intensifiait jusqu'à ce qu'il devienne finalement identifiable. Béolita jeta un troublant regard à Méliane, mais cette dernière ne répondit absolument rien et continua d'avancer sans vraiment savoir pourquoi. Méliane capta que Béolita avait trouvé quelque chose, qu'elle avait senti une chose précise et très proche de leur position. De leur côté, Néférité et les deux sœurs suivaient aveuglément Méliane, qui se laissa peu à peu conduire par Béolita. Les cinq femmes se suivaient, marchant dans les pas de celle qui la précédait. C'est Béolita qui menait maintenant la marche. Mais sans qu'elle ne s'en aperçoive, sa trajectoire dévia légèrement vers un amas de roches isolées dans le désert. Elle ne suivait désormais plus l'exacte direction de l'ouest. Béolita était comme happée par quelque chose venant de cet amas de roches, et Méliane la suivait sans s'interposer. Il n'y avait aucune communication entre les cinq femmes. Elles se suivaient, pas à pas, en direction de cet amas de roches noires érigées dans le désert vers lesquelles Béolita était appelée. Et en s'y approchant, une étrange et inattendue structure en ruine se dévoila au détour de grands rochers. Perdue au beau milieu du désert, une vieille bâtisse, troublante et intrigante, se tenait devant les cinq femmes qui n'avaient aucune explication à apporter face à leur découverte. Elles étaient en réalité tout autant perturbées qu'elles étaient fascinées. Sur les murs de l'édifice, il y avait d'étranges inscriptions, des dessins et des symboles ésotériques. Était-ce une langue ancienne ? Que disait-elle ? Même Béolita ne sut ce que cela signifiait alors qu'elle continuait d'avancer vers l'énigmatique lieu sur lequel elle venait de tomber. Quelque chose attirait Béolita, l'appelait au plus profond d'elle. Ce quelque chose semblait venir de l'intérieur de la structure qui ressemblait à un temple en ruine datant d'une ancienne et reculée époque. Il y avait des pans de murs effondrés.
une coupole, elle aussi à moitié effondrée, faisait office de toit. Il y avait une voûte en pierre claire, encore intacte, qui formait une entrée. La bâtisse était grande et imposante, mais laissait une drôle d'impression, un sentiment peu rassurant. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, l'appel au fond de Beolita était de plus en plus intense et palpable. Les cinq femmes franchirent finalement le seuil et pénétrèrent dans l'édifice en ruine. Il y faisait très sombre. Seule la lumière venant du désert leur permettait d'entrevoir la structure intérieure. Le lieu était abandonné, vide, absent de toute forme de vie. Il y avait quelques débris en bois et des parties du toit effondrées qui jonchaient le sol. Mais Beolita, Méliane, ainsi que Néférité et les deux sœurs faisaient abstraction de l'endroit dans lequel elles s'étaient introduites. Elles continuaient d'avancer, encore, sans savoir pourquoi, en suivant Beolita, qui était désormais portée par l'appel au fond d'elle et qui la menait vers les profondeurs du temple. Beolita, qui était pourtant très réfléchie et minutieuse dans ses faits et gestes, était là comme hypnotisée par quelque chose qui la conduisait vers le centre des ruines, descendant maintenant un étroit escalier. Méliane, habituellement animée d'un caractère de meneur et décisionnaire, suivait ici sans discernement Beolita. Ni Lubis, ni Lulucis n'avaient fait de remarques. Rien de cela ne leur ressemblait. Les cinq femmes atteignirent ensuite une galerie souterraine, elle aussi abandonnée, creusée sous le désert. C'était un tunnel sombre et profond, dont on ne pouvait voir l'extrémité, et par lequel Beolita continuait de progresser. L'appel en elle était très fort. C'est comme si un cri venant du fond de la galerie rebondissait en écho sur les parois rocheuses. Un mal de tête aigu frappa soudainement les cinq femmes, qui furent désormais prises de vertige. Elles eurent toute une vision d'horreur et puis... Bon.